Salut tout le monde! Bonjour! Bienvenue pour le Mortal Rems 53! Voilà! Au revoir! Avec, dans celui-ci, deux pots de peinture. Base et layer pour l'éclaircissement. Un petit dépliant sur le chaos. Et puis un goudat qui est sur le côté. Donc, on continue avec un petit topo sur l'œil de la tempête, la cité de l'œil de la tempête. Là, on voit un bateau des Carodrons. Donc, la garde des terres de la tempête, cette armée d'élite constituée d'humains, d'elfes, d'Uradans. Donc, l'Uradans, c'est les nains. D'ailleurs, pour le. En tout cas, rien à voir, mais Guess for Shop a montré hier une vidéo avec des squats. 40 000. Bon, vu la date du jour, 1er avril, ça m'étonnerait que ça soit vrai, mais bon. Il y a des gens qui aimeraient bien. En sous-trit, ça meurt. Du coup, la grappe, il faut la recycler ou quoi? C'est pas marqué. Les mecs. Fini, oui. Donc ensuite, j'ai du mal à me mettre dedans, tiens. Les chats, normalement ils doivent faire leur sieste normalement là. La cité vivante, ça c'est avec à l'Ariel, toujours autant. Amber, psst, hé. Je peux pas sauver en haut, j'ai mis la boîte. Go, allez. Les chats. Qui saute pas sur ta boîte en plastique. Ouais, là ils sont tombés tous les Stormcast, là. Il y a une armée de Stormcast en moi. Moi j'étais croquette, c'est bien. Donc la cité vivante avec Alariel et ses Sylvanettes. Neferatol, la Mortar du sang. Donc la légion des morts. Des Mortar qui a survécu à l'ancien monde. Donc, on peut le voir ici. C'est le même kit pour faire. Comment s'appelait déjà? J'ai oublié son nom. Neferator. C'est la même kit pour faire Neferator, pour faire Arcane le Noir et pour faire Carsten Manfred. Enfin, il y a la tête de la monture qui, change et le personnage, c'est exactement le même kit. Ensuite, Gorka Morka, donc ça c'est une divinité orc. C'est déjà double visage parce qu'il y a deux têtes, la tête rusée et brutale, la tête brutale et rusée. Ça, c'est... Les deux faces d'un orc, des fois elles peuvent être brutales ou rusées, ça dépend leur aspect sur leur point de vue. Ici, quelques adorateurs classiques, hein, les chamans, chaman orc, enfin le chaman Ironjack, le chaman des orcs sauvages, les bouchers, donc des orcs qui vénèrent en faisant bah, un petit peu. Dans les tripes, enfin ils voient l'avenir de les tripes de leurs victimes, quoi. Je sais plus comment ça s'appelle, ce truc, c'est un nom. Amber, bébé. Il fasse pas tomber la statue. Et les chamans font jouer, donc les chamans gobelins qui vivent dans les grottes avec les champignons. C'est toi qui me l'as offert cette fille qu'on est là. Tu te souviens? C'est bien. Ensuite, donc là, peinture avec le Mournfort Brunf, le marron Mournfort. Fang, c'est dans ça, Fang. Parce que c'est gentil, canine, je crois, Fang. Enfin bref. Et le Troll Slayer Orange, donc le tueur de troll orange, donc l'éclair pour faire des éclaircissements. Donc là, ils vont nous expliquer en fait comment on peut faire les effets de roule, les effets de rouille avec le marron et un point d'éclaircir un petit peu avec l'autre pour les effets bah, comme ça, quoi. Je ressens bien que là, ça fait des effets comme ça de. Et les rouilles, quoi. Ensuite, on peut s'en servir pour les côtes de maille avec les effets de rouille à chaque fois et les éclaircissements après. Donc, là, on va reprendre du coup une autre peinture, la chade hein, pour donc, pour l'éclaircissement avec les Nightholt. On reprend après. Donc là, le rouge, on éclaircit le bandeau, les yeux. On va du coup faire aussi les effets de cheminée, enfin de cheminée,
Les flammes. Avec du coup l'orange. Les feuilles, ça va être le marron. Ici, les effets de l'os. Aussi l'effet de l'os ici avec les petites courbures. Enfin, on fait en fait tous les arêtes en fait pour l'éclaircir. Donc à la fin, ça fait un éclaircissement comme ceci. Alors, je vais mettre avec mes lights hautes, moi j'ai fait que les couches de base, je vais pas continuer. Pour le moment, j'ai fait que les 3-4 premiers numéros, je n'ai pas été plus loin encore. Et bon, je vais commencer. C'est déjà bien. Il faut que je continue. Ensuite, donc, la figurine, le royaume de Chamon. On explique justement, dans la deuxième partie, on explique les traits du royaume et comment ça fonctionne. Comment ça, les certaines caractéristiques définies à ce royaume-là. Le scénario, percer les lignes avec un petit contexte un peu plus grand cette fois aussi. Ici, le petit scénario, percer les lignes. Trois tapis, beaucoup de hantes aussi. C'est pas mal. Ensuite, le 54 des ruines. Donc, là, je me suis rendu compte que je me suis fait avoir atteint les ruines. Et le 55, une des trois grappes des évocateurs sur Draculine. Les petits clients, c'est le royaume du chaos. Où est-ce qu'on voit? C'est quoi? C'est qui? Buveur de sang. Oui, c'est bien. C'est écrit. Ah, d'accord. Parce qu'à chaque fois, tu te trompes avec les sanguinaires, ouais. Buveur de sang. Ça, c'est un chef sanguinaire. Ça, c'est un chien de corne. Ensuite, c'est la neige avec des incendiaires, des horreurs roses. C'est un dieu du changement. Nurgle avec les grands immondes. Une bête de Nurgle, ça c'est ma soeur qui me l'a offert celle-là. Et un chef porte-vérole, on appelle ça en français. C'est la neige avec un gardien des secrets. Hein? C'est un prince. Hein? Ouais. Un démon qui est gardien des secrets. Les charnels, comme ça qu'ils appellent maintenant. Et les viciarques. Tu me l'avais offert, j'ai toujours monté. En résine dans le meuble. Le domaine de Korn, de Tsent, ici on avait le domaine de Slanesh et de Nurgle. On n'a pas le cas universel, bah, c'est ça, c'est descendu du cas universel ça. Avec Bellacom, je crois qu'on l'a vu dans un autre onglet. Dans un autre onglet. Information informatique, de notre dépliant. Donc voilà, ce qui conclut le numéro 53. On se retrouve après pour le 54. Salut tout le monde! Au revoir!